même une période de notre histoire, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est-à-dire que vous, parce qu'on parle de vous d'abord, parce que c'est bien de parler du FECOM, vous-même, votre carrière, donc, enfin, vous avez, la question c'était, vous êtes rentré là-dedans assez jeune. Non, pas ça, j'étais tout frais, jeune. Quel âge? J'avais à peine 20 ans. J'ai utilisé tout mon cours. J'ai ma fille aussi à la commune, tout ça. Ça fait longtemps que je suis déjà. Parce que c'est la commune de moi là, c'est parce que mon affaire. Donc vous avez commencé ça à l'époque des Blancs, en fait, c'est ça? Oui, bien sûr. Avant l'indépendance, j'ai commencé ça. Bon, évidemment, que c'était une période... Attends, de l'UCL, l'INC, le RDPC, tout ça, là. Bon, mais c'est quand vous regardez en arrière, c'est-à-dire vous repensez, bon... moi, j'ai vu des gens qui m'ont dit qu'ils ne pensaient même pas que le Cameroun allait être indépendant, donc... C'est quand même un parcours de voir aujourd'hui. Ah oui, mais ça c'est ce qu'ils ont vécu, la période coloniale, et maintenant ça fait vraiment une différence nette. Il n'y a même pas à comparer. On peut se rappeler des choses, mais ça ne vaut pas la peine de comparer. La période coloniale et puis l'indépendance, c'est comme on voit actuellement. Et vous aviez ici des... Il y avait des Français ici? Mais bien sûr. Il y avait des Français. Il y avait des fonctionnaires français. Il y avait tous les responsables étaient des Français ici. Les directeurs d'école étaient français. Les médecins étaient des Français. Tout ça, tous les hauts fonctionnaires étaient d'abord des Français. C'est aussi encore fait tout ça. C'est après que les choses ont évolué. Les Camerounais les ont remplacés. Vous étiez dans... Vous avez fait quelle école ici? D'abord l'école rurale de Mora ici. L'école principale, puis l'école régionale à Marwa. Et le lycée, tout ça. Ça a évolué. Mais quelque chose vous destinait déjà à ce métier? À... Je ne sais pas comment vous m'avez destiné, mais c'est le temps, c'est l'évolution des choses. La providence, c'est ça. Oui, mais ça n'a pas évolué comme ça pour tout le monde. Ah, mais ça a bien fait comme ça. Ça ne peut pas évoluer la même chose pour tout le monde. Et si vous deviez vous projeter, c'est-à-dire que Marwa, si vous aviez les moyens, qu'est-ce que vous feriez à Marwa, par exemple? À Mora, pardon. Mais si j'avais les moyens, je ferais de ma ville natale, comme si je vois les grandes villes, tout ça. Là. Parce que moi, j'ai fait presque le monde entier. Je me suis tellement grand pour venir. Donc, le temps que j'ai passé à l'Assemblée, j'ai fait 30 ans à l'Assemblée. J'étais avec le président Mounan. Et c'est un monsieur qui m'a beaucoup, dans son pays, m'a beaucoup aimé. J'étais dans la plus grande commission parlementaire. Et j'ai fait presque tout le monde entier. On sautait, on a été en Amérique, en Asie, partout. Donc, s'il y a un parlementaire qui peut se dire aujourd'hui, il est satisfait, je suis l'un de ceux-là. Alors, Dieu merci, j'en ai profité, j'ai pris ma part. Donc, pour dire, donc, par rapport donc, à s'il faut se projeter, que, bon, évidemment, Mora, une ville comme les grandes villes du monde, bon. Ah oui, j'ai sûr qu'il soit comme les grandes villes du monde, mais malheureusement, les choses vont par étapes, c'est pas les moyens et tout ça. On ne peut pas faire autrement. S'il y avait moyen de transformer Mora et devenir comme les autres villes, je l'aurais déjà fait. Mais malheureusement, on a su que ça restait. Mais commençant par quoi, par exemple, s'il fallait commencer? S'il fallait commencer par quelque chose? Par quelque chose, je cherche à un début. Les choses évoluent. Moran était, si nous, avant, quand j'ai accepté une sous-préfecture,
Maintenant, c'est devenu un chef de département. Vous aurez voulu qu'un jour cette agglomération, ça devienne une région. Ça ne peut pas être une capitale, mais que ça devienne quand même une région. Ça aurait comblé quand même satisfait. Et sur le plan économique, par contre, c'est-à-dire en termes d'entreprise, c'est-à-dire que quel genre d'entreprise, quel secteur vous voyez se développer, par exemple? Bon, mais les choses sont difficiles. Ça dépend des moyens que disposent les gens. Maintenant, c'est le petit commerce, mais si ça peut s'évoluer et vraiment faire des affaires comme je vois ailleurs, ce serait une bonne chose. Mais malheureusement, là, c'est souvent les moyens que disposent les gens. On ne peut pas parler d'une baguette magique. Développer, n'est-ce pas, au prospect, non, petit à petit, ça peut se développer, atteindre ce que les autres pays comme Maroua, Daroua, ainsi de suite. Ça me fait plaisir. Mais les secteurs comme quoi, l'agriculture, l'élevage, qu'est-ce qui serait un peu la priorité? L'agriculture et l'élevage, ça se complète, hein, ça va de. Ça va presque ensemble. Moi, je suis un petit éleveur, j'ai quelques animaux. Que j'élève. C'est presque un élevage. Et en termes d'infrastructures, quelles seraient les infrastructures clés, c'est-à-dire la priorité? Nos routes, si on peut avoir toutes les belles routes, ça serait très bon. Parce que maintenant, pour aller à Koussi, on fait 4, 5, 6 heures, dans 7 heures, on va aller à Koussi. Alors, c'est pas sérieux. Ça peut se développer sur des idées ici, aller jusqu'à pousser sans problème, aller jusqu'à Maroua, Daroua, ainsi de suite. Ce serait notre rêve. Avant, on, le matin, on quittait, les commerçants quittaient le matin, ils allaient avec le groupe faire les achats et ils revenaient dormir ici à Maroua. C'était malheureusement avec l'histoire de couper les routes et tout ça, tout est stoppé. Donc, quelque part, l'économie dépend quand même beaucoup du Nigeria, finalement. Presque. Ce qui n'est pas normal. C'est pas normal, mais on ne peut rien. On essaie de se développer, mais vous savez, le Nigeria est un grand pays. Il faut vous étiez une fois là-bas. Oui. Voilà. Donc, maintenant, ça a répété aussi. Toujours avec ces affaires de paramètres comme ça. Sinon, à Edoubri, c'était formidable. J'étais au succès de l'ancien président. Le deuxième président de la passe. Oui, celui que le good luck Jonathan a remplacé. Là. Voilà. J'étais jusqu'à chez lui. Je ne sais pas si on voulait qu'on menace à sa famille. J'étais là. Mais d'ici jusque-là, quand on passe, on sait que c'était dans un grand pays. Mais c'est ça qui peut être intéressant, c'est-à-dire que pour nos commerçants, de viser ce marché-là, c'est-à-dire que c'est quand même un marché où nous pouvons écouler nos produits. Et... Oui, on peut tout écouler au Nigeria. On est parti, par exemple, nos véhicules ici, on est parti sans problème jusqu'à dans son village, dans sa ville plutôt. Une puissance dans le Nigeria en Afrique. Ils sont nombreux, ils sont riches, ils sont développés. Ils se développent en plus. Et votre commune a combien de kilomètres de frontière avec le Nigeria? Le Nigeria, c'est là on quitte ici jusqu'à le Bounéchari, ici jusqu'à Mauchenaga. Et parfois aussi, on dit souvent à quelque chose, malheur est bon, mais économiquement, la situation avec le Nigeria actuellement et Boko Haram, il n'y a pas des gens qui en profitent ou des moyens d'en profiter, non? Personne n'en profite. Il y a que même le Boko Haram ne profite pas. On ne profite pas en tuant quelqu'un. Sinon, ni le Nigeria, ni le Cameroun, personne ne profite.
c'est pas bon, pas parler même, c'est même pas le regret, c'est la catastrophe. On attend.